a freak, but I can't help myself. Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Oussama Live. Alors, ce soir, je reçois deux artistes belgo-marocains qui nous viennent nous présenter leur nouveau clip Kia Kia. J'ai l'honneur de recevoir ici sur mon plateau Dounia. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Merci. À ta droite, il y a Mehdi Jaba. Comment tu vas, Mehdi? Alhamdoulilah, toi, Fema. Ça va? Alhamdoulilah, cool. Super. Alors, on est entre nous, hein, donc on va se tutoyer et on pourra même se vanner si vous voulez. Ça va, on est prêt pour tout, t'inquiète. Alors, vous êtes venu nous présenter votre nouveau, nouveau clip. Exact. Kia Kia. C'est un clip très sympa, je l'ai vu, on va l'écouter enfin, on va le voir et on va l'écouter enfin en fin d'émission. Mm-hmm. Tout d'abord, j'ai une première question. Vous êtes chanteur belgo-marocain. Comment vous avez commencé la musique? Quel était le déclic pour vous? Donc je laisse Dounia raconter l'histoire. Okay, alors raconte-nous donc, l'histoire Dounia, donc, depuis le début. Ok, ça. Donc j'ai commencé à chanter dès mon plus jeune âge. Donc quand j'avais 3 ans, j'étais baignée dans la musique et ma mère me mettait souvent les chaînes à la télé, donc les chaînes MTV, ouais. MCM en ce temps-là. Et j'écoutais souvent les chansons de Mariah Carey, Whitney Houston, donc les chanteuses à voix, bien sûr. Et c'est à partir de là où ce que ma mère m'a surpris une fois dans la chambre en train de chanter. Ouais. Et ma mère était surprise, elle s'y attendait pas, elle s'est dit « Waouh, je savais pas que tu chantais aussi bien ». Et c'est là où qu'elle m'a encouragée à continuer dans ce milieu. Parce qu'auparavant, ma mère, elle avait un rêve, et son rêve c'était de chanter sur scène, de faire des performances, etc. Mais elle avait pas vraiment la voix. Oui. Donc quand elle a vu que je chantais, bien, ça, c'est comme si elle voyait son rêve... Enfin, c'est comme si elle voyait son rêve à travers le mien, en fait. Donc, c'est ça qui fait que... Elle voyait l'artiste qu'elle aurait aimé être. C'est ça, voilà. Et ça lui a fait vraiment plaisir. Donc, voilà, elle m'encourage tout le temps. C'est aussi une sorte de coach. Ouais. Donc, elle m'aide souvent quand je dois chanter des chansons. T'es ton agent, quoi. Ta mère, c'est ton ça, agent. Voilà, ouais, exactement. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu cette passion pour chanter. Mais au départ, c'était... Enfin, je prenais pas ça vraiment au sérieux, donc c'était vraiment une sorte de hobby. Quand j'avais un petit peu de temps libre ou quoi, je chantais, mais j'étais plus consacrée avec mes études, bien sûr, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante, et aussi pour mes parents. Donc voilà. Et la première fois où j'ai commencé à chanter, c'était à l'école. Mmh. L'école a organisé une sorte de free podium. C'est une école néerlandophone. Tu es néerlandophone, toi, Dounia? Oui. Ouais, on entend. Il y a un petit accent néerlandophone, mais qui est très mignon à entendre. Ok, merci. Mais heureusement qu'on ne l'entend pas dans le clip parce que. Heureusement. Mais bon, donc voilà. Et c'est là où que j'avais. Enfin, sans hésitation, j'ai voulu chanter et beaucoup. Enfin, mes amis, ma famille m'ont encouragé, m'ont dit oui, tu dois chanter, c'est vraiment une grande occasion et comme c'est ta première fois, tu vas voir comment ça va passer et tout. Et j'avoue, pour une première fois, c'était un peu dur. Ouais, et tu avais quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans. Oui, et donc voilà, c'était un petit peu dur. Pourquoi? Parce qu'il y avait le stress, c'était presque devant 300 élèves. Mmh. Et quand je suis venue, je suis montée sur scène, il y avait trop de bruit. Enfin, j'étais pas habituée à ça. C'était souvent, enfin, je chantais souvent chez moi à la maison, tranquille, devant la famille. Donc voilà, c'était vraiment une grande expérience pour moi et c'est quelque chose qui restera inoubliable à mes yeux. Alors vous aussi, téléspectateurs et téléspectatrices, si vous avez chanté aussi à 16 ans devant 300 élèves et que vous avez aussi un accent néerlandophone, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma live en base maghrebtv.be. Mehdi Jaba, même question, comment tu as commencé à la musique tout simplement? Mm-hmm. Alors en fait moi, depuis tout petit, ouais, j'aimais écouter la musique, mais vraiment, j'avais jamais pensé que voilà, je vais rentrer dans le domaine en fait. C'est à mes 15 ans où en fait je regardais plein d'émissions télévisées comme je sais pas The Voice et tout ça, compagnie, Star Academy, tout ça. Bah, j'aimais bien être à leur place en fait. Ça me donnait vraiment l'envie de faire ce qu'ils font. Et donc je commence à m'intéresser à la musique. J'ai commencé un peu à chanter. Je me suis dit ouais, c'est vrai qu'il y a un petit truc que j'ai. Je peux faire ça, je peux faire ci.
les amis, la famille me disent ouais, c'est vrai, t'as une belle voix. Donc voilà, j'ai commencé à. Je me suis dit, allez, je vais entrer dans le domaine. Et voilà. C'était comme ça que j'ai commencé. J'ai fait directement, j'ai commencé à chercher pour faire des premières scènes, tout cela. Donc voilà, j'ai trouvé, j'ai eu du soutien, alhamdoulilah, au début. Et voilà, alhamdoulilah, maintenant, ce qui fait que je suis arrivé à ce point, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Est-ce que tu as aussi un membre de ta famille comme coach ou comme agent, comme Dounia? Ouais, la famille, ils me disent, ouais, tu fais ça bien, n'en fais pas ça. La famille est obligée, ils te soutiennent moralement, coach, comme tu dis. Mais enfin, peut-être la maman Dounia, elle me coach aussi, la maman Dounia, en fait. Quand je chante, elle me coach aussi. Donc voilà, c'est notre coach, Dounia et moi. Ouais. Alors Dounia, elle s'inscrit plus dans le registre Maria Carey, donc elle l'a dit. Et toi, dans quel registre tu Moi, en fait, je suis plutôt dans la chante arabe, en fait, oriental, marocain, chante turc, hindou. Un peu dans le style oriental, on va dire. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un petit extrait à cappella comme ça pour qu'on remarque et qu'on voit ton talent, ceux qui, enfin, il y a des téléspectateurs qui te connaissent, mais ceux qui te connaissent pas. Est-ce que tu peux un peu nous donner un petit extrait de ta palette okay, à talent? Avec plaisir. الطفلة اللي غرت منها وحبيتوني باش ننساها ما نقدرش نبعد عنها وانا كل حوتة في ماها عاشق ومغروم في فنها حياتي كله هبت ليها Voilà un petit extrait. Non, je savais depuis que j'étais... Ça continue par ça. Ah, depuis que je suis petit, je savais que j'allais pas me lancer dans la musique. C'est pas mon truc. Dounia, donc Maria Carey, hein, toi aussi un petit extrait. On est de bon enfant ici. Un petit extrait de Maria Carey. J'avais pas prévu de chanter cette chanson, mais bon. Une autre. Hein. N'importe quoi. Okay, voilà. Ben, une chanson d'Alicia Keys. Alicia Keys. Woman's Words. Donc, you could buy me diamonds, you could buy me pearls, take me on a cruise around the world. Baby, you know I'm a rare thing, dinner lit by candles, run my bubble bath, make love tenderly to last in the last. Baby, you know I'm a rare thing. Ah là là, je suis sur un nuage. Ah là là, je suis sur un nuage de miel, on va dire. C'est très cool. On a hâte d'entendre et de regarder votre clip en fin d'émission, hein, mesdames, messieurs. Donc, vous connaissez pas 16 ans, j'imagine. Vous avez commencé, débuté votre carrière sans vous connaître. Alors, comment vous êtes connus? Ben, déjà, j'avais rencontré Mehdi lors d'un casting de chant. Mm-hmm. La rencontre était furtive, donc suite à ça, on s'est perdu de vue. Mais un an après, lors d'un événement caritatif Orphelin du Monde, saison l'année passée, donc je ne sais pas c'est quelle saison, et donc c'était là où on s'est rencontrés, on s'est revus, et c'est là où on s'est reconnus, on s'est dit « mais je t'ai vu toi au casting, oui. Ah, mais toi tu m'as vu toi au casting ». Donc c'est à partir de là où on s'est rencontrés, c'est là où que les liens se sont renforcés par rapport à ce temps-là, et donc voilà, mais il dit... Et depuis direct, j'ai eu le réflexe de... En fait, je connaissais déjà sa voix, donc elle a une très belle voix, Sparkla, et voilà, je voulais qu'on fasse un duo ensemble. C'est de là que j'ai eu l'idée de qu'on fasse un duo ensemble, donc je lui ai proposé, elle était d'accord. Et au début, on a voulu faire une chanson, enfin notre propre chanson, mais on a dit de préférer qu'on fait une reprise d'une chanson qui a déjà été connue, et de faire une reprise avec un nouveau arrangement et tout ça. Mmh. Et voilà, c'était ça l'idée, elle était d'accord, on était tous d'accord, on a commencé à choisir la chanson dans laquelle on va choisir, oui. Il y avait plusieurs choix. À la fin, on a choisi Kia Kia, voilà, c'était le choix qu'on s'était d'accord mis pour, enfin nous Dounia, on était d'accord pour ce choix. Mmh. Et voilà, on a commencé à travailler au-dessus. Alors, la musique, c'est votre passion, ça, on l'imagine bien, votre timbre de voix et à vos yeux qui pétillent en vous voyant chanter. Est-ce que c'est votre passion à plein temps? Ou est-ce que vous avez d'autres occupations? Est-ce que vous travaillez à l'école? Est-ce que vous travaillez à côté ou est-ce que vous allez à l'école? Comment vous gérez ça, votre passion? Ben, c'est vrai que c'est pas évident parce que pendant toute la semaine, j'ai école. Je reviens souvent vers les alentours de 4h, 5h de l'après-midi. J'essaye
de faire ça, déjà en fait m'organiser, donc souvent je vais m'entraîner, travailler avec mon groupe de musiciens, ouais. M'entraîner sur mes compos, aussi préparer quelques reprises parce que bientôt je ferai quelques covers, je les lancerai sur internet, donc voilà, c'est comme ça que j'essaye un peu de, oui. de travailler. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident. Avec l'école, ouais. Surtout que je suis presque, je vais presque terminer mes études, donc voilà, c'est chaud quoi. Ouais. Et toi, Mehdi? Et bien pour moi, en fait, moi, avant, je faisais des cours de chocolaterie et pâtisserie. Donc, je suis diplômé. Et après, une fois que j'ai terminé, je voulais faire une année sympathique. Ben, c'est là où vraiment j'ai profité à fond pour faire la chanson. Ouais. Alors, question Ardisson. Comment passer du chocolat à la musique? En fait, c'est du lard. Wow. Le chocolat, c'est de l'art. La chanson, c'est de l'art. Donc, les deux. En fait, pour voir qu'en fait, j'ai vraiment l'art dans mes veines, en fait. Oui. Donc, les chocolats ont créé des propres pièces en chocolat. Et donc, il faut vraiment avoir le point créatif, ouais. En soi. Et pourquoi pas après Kia, un autre clip, chocolat. Chocolat. Pourquoi pas, on va dire la nourriture. C'est plutôt marrant, ça, chocolat. Ça peut être bien, bien sûr. Ça peut être bien. C'est original. Merci pour l'idée. Une reprise de Dalida, caramel, bon chocolat, mais en arabe, hein. Caramel, halwa et chocolat. Ça peut être bien, ça peut être bien. Ouais, donc vous êtes rencontrés depuis où vous êtes plus quittés. Mmh. Moi je propose qu'on regarde directement le clip Kia et on revient juste après, toujours avec moi, toujours avec, oui. Mehdi et avec Dounia en direct de Studio Malais. Kia, toujours ici de retour sur Studio Maghreb avec Dounia et Mehdi Jaba. Alors on vient d'avoir le clip
Kia. Kia. Ma question est simple, hein. Ça veut dire quoi, Kia, Kia? Oula, donc, en fait, Kia, ça vient du mot Kwitini, ça veut dire la souffrance. Oui. Je crois, et je viens d'apprendre que Kia, c'est une insulte au Maroc. Ah, d'accord. Donc, je suis pas sûr, hein. je viens de le savoir, donc c'est je suis pas sûr. C'est une insulte au Maroc. Moi, je pensais que c'était une promotion de la marque Kia, des voitures Kia. Je me dis, tiens, c'est bizarre, ils sont sponsorisés en fait, par Kia. Je me suis rendu compte, une fois que voilà, la chanson était terminée, ce Kia, c'est une marque de voiture. Ouais. Ben pourquoi pas, c'était peut-être que la marque Kia vont nous appeler pour faire de la pub. Ouais. Kia, peut-être. Qui sait, hein. Alors c'est une reprise, hein, de Cheb Bilal et Shaynaz. Oui. Ça. Donc vous avez décidé, pardon, de reprendre une de leurs chansons. Exactement. Pour en faire la travailler à votre sauce aussi, hein, puisqu'on a vu. C'est avec un nouvel arrangement qui a été fait par Amin Doukali. D'ailleurs, je le remercie. Et en fait, si on entend l'original et cette version, enfin, alhamdoulilah, tout le monde a préféré cette version. Oui. C'est pas qu'on dit que Bilal n'est pas bien, il est super Bilal, mais enfin, on a changé la version complètement pour la chanson, donc elle est plus festive, elle est plus cool, quoi. Et cette chanson aussi, enfin, ça fait quand même longtemps et les gens l'ont oublié, donc. Donc voilà, on a essayé de c'est une piqûre de rappel, quoi. C'est une piqûre de rappel. C'est voilà, ça. Qui a. Et voilà, en veux-tu, en voilà. Et voilà, c'est ça. Et donc, on a préféré changer, ne pas faire la même chose, de faire ça à notre sauce, quoi. Oui. Non, mais c'est bien, c'est cool. On a vu un beau clip. Et voilà, donc il y a deux styles de voix. De voix, c'est ça. Différents. Et ça donne bien. Alhamdoulilah. Ça donne bien. Merci. Et d'ailleurs, en fait, voilà, déjà le clip, il est sur YouTube il y a 10 jours maintenant. Alhamdoulilah, il a plus de 8000 vues. Alhamdoulilah, ça nous fait plaisir en fait. Il y a plein de gens qui l'ont partagé. On n'avait pas de proposition pour des soirées. Donc on n'a pas encore de date bien précise, à part le 28 novembre. À spectacle de Hassan El Fed, oui. Le comédien marocain. Enfin, on va faire sa première partie. D'ailleurs, avec Abdel, Hassan et Oussama. Mm-hmm. Merci. Et voilà. Mais on a d'autres dates, Inch'Allah, mais on n'a pas encore. C'est pas encore bien précis, mais une fois qu'on a les dates bien précises, on les met sur Facebook. Oui. Sûrement. Dunia, est-ce que c'est difficile d'être chanteuse ici à Bruxelles ou en Belgique d'une manière générale? Tu as dit, hein, tu arrives à gérer entre les études oui. et ta passion qui est la chanson. Est-ce que c'est difficile d'être vraiment chanteuse et de se consacrer à temps plein, à 100% ou à 200% à ton art? Ben déjà comme je t'avais expliqué que voilà que c'était pas évident avec l'école, etc. Si c'est difficile ici à Bruxelles, oui, parce que je trouve qu'ici, enfin en Belgique, il n'y a pas beaucoup de gens qui t'encouragent à percer dans ce milieu. Il faut vraiment rencontrer les bonnes personnes et au bon moment pour qu'ils puissent t'aider à avancer dans ce milieu. Mais c'est clair que la musique industrie, c'est pas évident pour intégrer ce milieu, quoi. Ouais. Et toi, surtout ici en Belgique. Et toi, Mehdi? Ça va, enfin j'arrive, enfin, j'essaye de en fait ce milieu j'aime bien ce milieu en fait. Le but qu'on fait des clips, qu'on fait des chansons pour comme ça les gens nous connaissent en fait. Oui. Et alhamdoulilah, déjà après le clip il y a pas mal de gens qui nous connaissent, alhamdoulilah. Enfin, j'étais à Liège, il y a des gens qui m'ont connu ici à Bruxelles, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Et une fois qu'on a choisi d'être dans ce milieu, donc on doit assumer les points positifs et négatifs. Et enfin, alhamdoulilah, on essaye de donner ce qu'on peut, quoi. Oui. Alors la suite, c'est quoi? Il y a d'autres clips ou un album peut-être en duo. C'est quoi la suite concrètement? En fait, juste pour préciser, Dunia et moi, on n'est pas un groupe. C'est vraiment, on est des amis avant tout. Mm-hmm. Mais ça, c'était un projet entre nous de faire un duo ensemble. Voilà. Mais chacun a son style à part, en fait. Oui. Donc peut-être là, dans l'avenir, on va faire encore un autre duo, qui sait. Mais on préfère maintenant travailler chacun pour soi. Oui. Donc peut-être un album solo alors? Peut-être. Pourquoi pas. Mais enfin, il y a plein de surprises sur là qui arrivent. Oui. T'as très grosses surprises, mais enfin, on préfère garder la surprise. Oui. Comment on peut vous retrouver si on veut vous demander quelle sera la surprise? Vous êtes vous avez une page fan, j'imagine. Mm-hmm. Alors on peut la donner. Hein. Chacun va donner sa page fan. Donc ma page fan c'est Dunia, tout simplement. Oui. Dunia. Dunia tout simplement, pas tout simplement, Dunia. Dunia tout simplement, voilà. Dunia. Parce que je sais pas, hein, j'imagine que tout la simplement sur le fait Dunia. Que voilà, c'est juste Dunia, Dunia. C'est pas un blaze ou quoi. Voilà. Donc, Dunia, c'est donc, ton voilà, prénom. Voilà. Mehdi, toi c'est pareil, Mehdi Jaba. Mehdi Jaba, voilà. Donc c'est MHDI espace JABA.
Tout simplement aussi. Tout simplement aussi. Voilà. Tout simplement. Voilà. Je vous remercie d'avoir été mes invités ce soir, Mehdi et Dounia. Merci à toi, Oussama. Vous revenez avec plaisir, vous revenez quand vous voulez, peut-être un deuxième clip à nous présenter ou un album à vous, solo. Inch'Allah. Avec plaisir, Maria Carré et... chez mamie. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de votre fidélité. On se donne rendez-vous dans la prochaine émission d'Oussama Live. D'ici là, portez-vous bien. Nous avons été en direct de Studio Maghreb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I can't help it.